Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, une nouvelle vidéo. Alors, pour vous dire le choix que vous avez fait. Vous vous rappelez, j'avais acheté les nouveaux kits, j'ai froid, à gratter, les cartes à gratter qu'il y avait chez Action. Et ben, je vous avais demandé de choisir par lequel vous voulez que je commence. Donc vous avez choisi, alors vous en avez choisi deux, donc les deux se trouvent dans le même, dans la même boîte, donc ça va très bien. Vous avez choisi le tigre et le papillon, c'est les deux qui ont eu le même nombre de voix. Ils ont eu 7 voix chacun, le koala en a eu 4, le lion 4. Le perroquet 2, le cheval 4, le zèbre 1 et la panthère 3. Donc le tigre et le papillon en ont eu 7 chacun. Donc voilà, ce sont eux deux. Donc je vais commencer. Alors on va faire Tropique-Nidouille, c'est étoile en douille. Ne sera pas toi. Bon, bah ce sera pas le papillon. On commencera par le tigre. Donc je vais mettre, parce que comme vous rappelez, ils sont enroulés dans la boîte. Voilà. Ils sont enroulés dans la boîte. Voyez, donc ça repart. Je lâche, ça reste enroulé. Donc, je vais les mettre à plat tous les deux, de toute façon, pendant 2-3 jours. Peut-être qu'une journée, une nuit, ça va suffire. Hein. Je vais voir, je vais mettre ça en dessous de mon tapis, ici. Et puis, on verra. Voilà. Parce que là, bon, il faut quand même qu'il soit bien à plat. Alors, voilà le tigre. Alors, il va y avoir du boulot. Voilà, je commence le papillon. Du coup, j'ai un doute. Ouais, je commencerai par le papillon. Ouais, il est plus petit, donc on va commencer par le plus petit. Pas plus petit. Il y a moins de dessins. Je commencerai par le papillon. Voilà, allez. Et après, je ferai le tigre. Mais je vais les mettre à plat tous les deux pour qu'ils soient bien, bien plats. Voilà. Et donc ceux-là, c'est ceux qui vont être multicolores. Alors, je vous les montre de ce côté-là. Voilà. Ils vont être multicolores. Donc moi, bon, je ne me servirai pas des stylets en bois. Hein. Vous savez que j'aime pas. De toute façon, j'ai ma trousse hein, exprès pour le faire. Donc, voilà. Donc, je vais les mettre sous mon tapis, ici. Allez, hop. Voilà. Hop, on va mettre du poids. J'ai mon gros dictionnaire ici. Ça, c'est mon vieux livre de cuisine. Alors, ça, c'est un vieux hein, livre de cuisine. Je ne sais pas, peut-être que certaines d'entre vous l'ont. Mais celui-là, c'est un vieux. J'aime bien. Il y a des vieilles recettes de cuisine. J'aime bien. Mais j'ai encore plus vieux, mais en dictionnaire. Vous voyez, alors celui-là, il est vraiment vieux. Je ne sais pas que... Il doit y avoir la date dessus. C'est une mamie dont je m'occupais qui me l'a donné. 1965. Alors, et il y avait encore les images en noir et blanc. 1965. Donc, j'avais 2 ans quand il est sorti. Hop, voilà. Et je vais en mettre un de l'autre côté qui est plus récent puisque celui-là est en couleur. Celui-là, pareil, il est de... Celui-là, il vient de France Loisirs, en plus. Quelle date?
97. Voilà. Hop. Alors, on va le mettre là. Et comme ça, je vais laisser ça 2-3 jours. Et on va mettre le vieux livre de recettes. Qui, lui, est de quelle date? Tiens. Il y a peut-être une date aussi. Il va y avoir 98. Ouais. Oh, tiens! Il a été fait à Villeneuve-d'Ascq. Oh. Non, pas... les éditions sont à Paris, mais les compogravures... Compogravures, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être les images. Viennent de Villeneuve-d'Ascq. Oh, tiens. Villeneuve-d'Ascq, c'est là où j'habitais avant. C'est dans le Nord, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. J'aime bien celui-là. Hop, voilà. Donc voilà, c'est mis sous presse. Jusqu'à... Bah, là, on est quoi? Lundi? Oh, je viens de vous dire le week-end, non? Je ne sais plus ce que je viens de vous dire. Enfin, on est lundi. Je vais laisser ça jusqu'à demain. Et mercredi, je l'attaque. Voilà, mercredi, je vous l'attaque. Ah non, mercredi. Si, mercredi, je pourrais l'attaquer. C'est pas Noël encore. Moi avec Noël, Nouvel An, je suis complètement perdue. Bon, quand ça arrive les dates comme ça, je suis complètement paumée. Je sais pas vous, mais alors là, moi, je suis paumée. Je suis passée à Action. Oui, encore, je suis passée à Action. enfin, de 2 minutes. Alors, je vous ferai une vidéo. Je vais pas la faire tout de suite, mais bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Pour cette vidéo, alors 2 corbeilles comme ça, j'en aurais peut-être besoin que d'une, hein, mais j'en ai pris 2 parce que de toute façon, en bleu comme ça, il n'y en avait plus que 2, donc je vais les prendre tout de suite. J'ai repris, alors j'en ai encore, mais j'ai sans savoir pour combien il va m'en falloir, j'en ai repris, c'est des feuilles plastifiées. Pour la plastifieuse d'Action, puisque moi j'ai celle d'Action. De toute façon, ils vont dans toutes les plastifieuses. Hein. Donc, j'en ai pris 3 paquets. Il y en a 20 dedans. Voilà. Et alors, j'ai dit en rigolant à la caissière, j'ai une petite remise. Elle fait, bah non, on ne peut pas. Mais bon, je me doutais bien. Hein. Parce que j'ai pris les 2 derniers. Voilà, alors vous voyez, il était tout abîmé. Mais bon, les feuilles à l'intérieur, elles sont pas abîmées. Hein. Elles sont nickel. Mais bon, la couverture, on s'en fout. Et les 2 hein, étaient abîmés, vous voyez. Le deuxième aussi était abîmé. Mais bon. Alors, c'était les 2 derniers, parce que je voulais absolument avec des feuilles blanches. Donc, bon, il y a des jaunes à la fin. Mais... au début, ce sont des blanches. Donc, je voulais des cardstock blanches. Ils ne font pas des blocs tout seuls blancs. Et donc, le deuxième, pareil. Hein. Je ne sais pas combien il y a de feuilles en tout. Ce qu'il marque. 24. Donc, bah, il y en a 12 de chaque. Donc, j'aurai 24 blanches avec ces 2 blocs-là. Et puis, de toute façon, là, dans mes réserves, il doit encore m'en rester ici. Et peut-être dans mes boîtes, il doit m'en rester encore. Donc tout ceci, alors j'ai plus les prix en tête, hein, je sais plus où j'ai foutu mon ticket de caisse, mais bon, mais c'est pas cher. Hein, vous, ça. Si ça, je sais que c'est 1,99€ la panière. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ça, c'est 1€, à moins d'1€, enfin c'est dans les 1€. Et ça, je ne sais plus. Le cardstock, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, parce que, pourquoi j'ai pris tout ça? Je vais refaire un rangement. Alors, je vous ai parlé d'un rangement. Là, je vais refaire un rangement pour mes tampons clairs. Clair. N'importe. N'importe quoi. Donc, je vais refaire un rangement pour mes tampons clear parce que là, moi, ils sont dans des classeurs. Ça ne me plaît pas. Enfin, pas dans un classeur, dans un album photo.
Et ça ne me va pas parce que l'album photo, bon, il est épais comme ça, mais avec tous les tampons clear dedans. Encore, il n'est pas rempli, hein. Mais. Viens là, toi. Oh là là, je vais tout foutre en l'air. Voilà, voilà l'épaisseur, hein. Mais vous voyez ce que ça fait. En fin de compte, je mets bien au début. Vous voyez, je mettais comme ça. Et au début, ça me plaisait, mais là, ça ne me plaît plus. Parce que ben, plus il se déforme, c'est pas beau. C'est des miettes, c'est moche. Donc tous mes tampons, puis là, j'en ai partout des tampons. J'ai les pochettes. Alors j'ai pris une boîte de céréales et tous les tampons qui se baladent, ils sont dedans. Dans une boîte de céréales. Donc je vais refaire des rangements et tous mes tampons clairs seront bien rangés, bien classés dans les panières. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas une invention hein, ce que je vais faire. Vous avez déjà dû voir sur des chaînes YouTube. Sur des chaînes YouTube, il y a beaucoup l'ont fait. Voyez. Là, par exemple, un exemple, tampon clear, c'est le bordel. Donc tout ça, c'est à trier, à classer. Il y a un bordel, mais c'est un bordel. Oh là là. Il y a un boxon là-dedans, mais pas possible. Non, il n'y a pas que des actions hein, dedans, mais. Il y a même ceux avec comme ça. Alors voilà, je l'ai cherché pour faire les cartes pour mes petits-enfants. J'ai fini les cartes des petits-enfants. Et voilà. Je vous jure. Voilà, les Noëls. Ben voilà, j'ai retrouvé tous les Noëls. Et je disais que j'avais un die avec un tampon de sapin. Vous vous rappelez? Et ben le voilà. Maintenant que j'ai fini mes cartes. Là j'entends des dice qui se baladent, des dice, oh là là, c'est une horreur. Oh et regardez ici, vous avez vu les cartes que j'ai fait avec les petits lutins, enfin avec les gnomes. Regardez, je vous ai dit, je découpe les gnomes à la main, au ciseau, parce que je ne retrouve plus mon dies. La boîte, pour tout. Mon dies. Voilà mon dies. Les cartes sont finies. Et les tampons. Bon, on va rester calme, hein? On va rester zen. Oh, il y a un bordel. Oh, j'ai un bordel là-dedans. Mon Dieu, c'est honteux. C'est une eau. Alors, j'avais fait pendant un moment un système comme ça. Ça me plaît. C'est parti. Alors, j'avais le die, comme ça. Vous voyez, j'avais la. Alors, je viens de montrer. Voilà, j'avais la carte et j'avais le. Hop, le die en dessous. Mais ça n'allait pas. Alors là, j'ai retrouvé la pochette du tampon du petit lapin de Pâques. Enfin, la pochette, oui, mais le tampon, où est-il? C'est peut-être celui-là. Oui, c'est celui-là. Voilà. Bon, on va rester zen, hein, les filles. Je ne vois que j'ai un dice en double. Les filles, j'ai un dice en double. Celui-là. Je l'ai en double.
Comment j'ai fait mon compte pour avoir ça en double? Bon. Je vais voir. Je vous en reparlerai. Je vais regarder si j'ai rien d'autre en double. Et si j'ai des choses en double, je ferai une vidéo. Donc, vous savez que j'ai déjà celui-là en double. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça, c'est un die. Girls et boys. Là. Ah oui, ça, c'est les tampons de collection. Enfin, j'ai une collection parce que je les utilise pas, ceux-là. De Gorgus. J'en ai deux, normalement. Donc, le deuxième doit être quelque part dans cette boîte aussi. J'en ai même un petit. Voilà. Ça, j'aime bien. Bon, ben, les filles, il y a du boulot, hein. Que je vais dire d'autre. Donc voilà, je ferai une vidéo pour le rangement. Et est-ce que ça rentre? Oui, voilà. Donc j'ai des tampons, de tout. C'est pour ça, voilà. Ah ben voilà, je pense que celui-là, le deuxième. Non, je viens de vous le montrer. Bon. Alors, j'ai retrouvé mon dies de gnome. J'ai retrouvé un dies que j'avais en double. Youpi. Et là, c'est des joyeux anniversaire. Oh là là. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, si je dois déménager, ça va être une galère. Il faut que je fasse tout ça avant de... qu'on me dit que j'ai une maison, parce que sinon ça va être la... Alors, ici, c'est quoi? Oui, ça c'est... Alors, vous voyez, là, j'ai pas ouvert, hein, mais j'ai un petit tampon qui se promène derrière. Pourquoi? Je n'en sais rien. On va le laisser derrière, au moins il ne va pas se perdre. Oh là 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 là. Bon, on va arrêter parce que je crois que je vais me rendre malade rien qu'à regarder ça. Oh là là. Mon Dieu. Allez. Bon. J'ai retrouvé mon gnome. C'est bien. J'en ai plus besoin. Puisque Noël, ça y est, c'est pour les cartes, c'est fini. Hein, c'est passé. Mais je l'aurai pour l'année prochaine. donc voilà, je vais vous faire une vidéo donc avec mon rangement de tampons. Voilà, il faut que je refais encore un cadre pour ranger mes dies. Ça c'est pareil, le jour que je déménagerai, bon, voyez là, c'est pareil, le tableau je vais pas pouvoir l'emmener comme ça. Donc, il va falloir que j'enlève tous les dies du tableau. Et puis, du deuxième tableau également. Et puis, peut-être du troisième, puisque je dois en faire un troisième. Et dans la nouvelle maison, il faudra remettre le tableau, remettre tous les dies. Du coup, je me demande si c'est une bonne idée, ce tableau. Non, si c'est une bonne idée. Mais quand on est sûr de ne plus devoir y toucher. Voilà. Bon, ben j'ai fini mon petit blablat. Hein. Je vous ai montré mes petits achats, mes mini achats d'action du jour. Je vous ai montré la grande carte à gratter que vous avez choisie, donc que je vais démarrer. Et puis je vous ai montré mon petit bordel. Voilà. Bon, je suis sûre qu'on a tout un petit bordel comme ça caché dans notre pièce. Ou dans un coin quand on n'a pas de pièce, je suis sûre que dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir un petit coin comme ça, parce que là j'ai honte, hein, quand même là j'ai honte. Bon allez,
Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Oui, nouvelle vidéo, ça y est. Nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.